Recording. All attendees are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Lievens et ce soir, je vais vous montrer comment faire vos premiers pas avec notre plateforme Futurstation Nano. La plupart d'entre vous, vous connaissez le système d'une téléconférence. Bon, vous allez pouvoir suivre sur l'écran, me poser des questions. J'essaierai au maximum d'y répondre. Le PDF de la présentation vous sera envoyé demain et normalement, il y a un enregistrement de la présentation que vous pouvez demander via notre desk. Ce soir, je vais essayer de rester le plus structuré et le plus simple que possible. Pour la simple raison que cette plateforme, qui est une plateforme professionnelle et qui a reçu des prix chaque année à Francfort pour être la meilleure plateforme, il y a des personnes qui ont du mal à commencer avec la plateforme. Et là, je veux vraiment essayer à ces gens-là de les convaincre que de travailler avec cette plateforme n'est pas est à la portée de tout le monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que des traders, souvent des traders qui commencent, veulent faire trop de choses. Ils veulent essayer ou faire trop de choses en même temps. Et là, ça peut devenir très complexe. C'est-à-dire, moi, je vais vous faire sorte de tour hélicoptère, vous montrer ce qu'il y a moyen de faire, mais aussi vous essayer de vous montrer pourquoi ça ne doit pas être aussi complexe. Et ça, vraiment, enfin, j'espère que vous allez en retirer quelque chose. Voici le site de Self-Invest. Il y a énormément d'infos là-dessus. Un slide sur Self-Invest, courtier en France depuis maintenant 15 ans. Bien évidemment, nous travaillons uniquement avec des banques dépositaires. Voici quelques exemples. Avec en France, par exemple, le Crédit Lyonnais. On a des bureaux dans plusieurs pays en Europe. On est assez connu pour le service et une gamme de produits très large, futurs, forex, aussi des options et des CFD. Plus de 10 000 instruments que vous pouvez trader avec Self-Invest. 95%, je dirais, des gens comme vous et moi, avec une passion pour les marchés, un intérêt de au moins vouloir gérer une partie de nos fonds en direct. D'accord. Alors, voici notre offre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous aurez mon adresse mail ou sinon, contactez le desk. Aucun problème. Si vous avez des questions là-dessus. Mais passons tout de suite au sujet de ce soir, la Futurstation Nano. Tout d'abord, comment elle est organisée, comment elle est structurée. Mais surtout, ça je l'avais oublié, pourquoi la Futurstation? Pourquoi cette plateforme et pas une autre? Parce que enfin, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, eh ben, elle a quelques, je dirais, aspects qui la rendent, je dirais, assez extraordinaire. Vous pouvez trader tous les instruments avec cette plateforme, CFD, Forex et Futur. Comme vous allez voir ce soir, vous pouvez trader en manuel comme la plupart des plateformes, mais grand avantage de cette plateforme, c'est de pouvoir trader en mode automatique ou semi-automatique. Je vais vous montrer ça. Le trading rapide via le carnet d'ordre, hein, pour des scalpeurs ou des gens qui aiment simplifier l'entrée sur les marchés. Vous allez voir que les stratégies ici, il faut pas des programmations complexes toujours, mais vous pouvez simplement paramétrer pas mal de stratégies, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Il y a des stratégies signaux déjà préprogrammées. Encore, vous ne devez pas les utiliser, mais ça peut vous donner des idées pour vos propres méthodologies. Hein. Ça, c'est une possibilité.
Vous avez le backtesting, le scanning, le trading en groupe, bref, vous avez un arsenal énorme. Maintenant, comme je disais au début, attention, et là est le piège, puisque cette plateforme offre toutes ces possibilités, les traders ont souvent la tendance à vouloir faire de trop. Et ça, c'est réellement un piège. Pour ça, le défi, c'est surtout de dire non et de savoir exactement ce qu'on veut faire et surtout ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Le prix de cette plateforme, si vous êtes trader CFD Forex, c'est 29 euros par mois. Si vous êtes trader futur, bien évidemment, il y a des coûts supplémentaires pour le flux. Et là, c'est 79 euros par mois. Voilà, en bref, pourquoi. Maintenant, la structure. En fait, vous avez que 5 onglets dans la plateforme. Ici à gauche, vous voyez instruments. C'est là qu'il y a les comptes et les instruments financiers. Mais pour tout vous dire, enfin, je vais rarement là-dedans puisque dans le trading au quotidien, vous n'avez pas besoin de cette partie. Ça veut dire que vous pouvez garder cette partie fermée. La deuxième colonne, c'est là qu'il y a tous les indicateurs. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est en fait votre méthodologie, votre façon de trading, vos indicateurs, vos stops, vos objectifs, si vous voulez trader en semi-automatique ou automatique, tout se trouve là-dedans. Tout va être paramétré dans cette partie. Et là, évidemment, les graphiques. Ici, sur l'écran, j'en ai mis un, mais si vous avez plusieurs écrans, comme moi, vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Il y a parfois des traders qui ont l'impression que, puisque c'est une plateforme qui tourne sur le PC et qui donne toutes ces possibilités, qu'il faut un ordinateur hyper top, vraiment hyper puissant. Eh ben, ce n'est pas du tout le cas. Un ordinateur classique fera bien l'affaire. La connexion à Internet, évidemment, est importante, mais pour la plateforme, normalement, un ordinateur, je dirais normal, suffit largement. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre tant de graphiques que vous voulez, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le carnet d'ordre, un outil très puissant qui vous permet d'intervenir sur le marché en direct. Comme vous allez le découvrir tout à l'heure avec moi, vous pouvez trader en direct, manuel, avec un simple clic dans ce carnet. Vous allez voir, c'est un outil très puissant. Et en bas, position et ordre, ben c'est là qu'il y a toute info sur vos comptes, hein, votre compte ou vos comptes, les ordres en cours, les trades qui se sont déroulés. Vous avez toutes les infos vraiment sur ce qui s'est passé de façon à avoir un contrôle si vos ordres sont bien exécutés et quelles sont vos positions en cours. Ça, c'est tout ce qu'il y a. En fait, ça sont les 5 onglets qu'il y a. Il n'y a pas plus. Maintenant, juste vous montrer où se trouve, je dirais, les outils, les icônes pour type de bougie, puisque vous avez bien évidemment ligne, barre, bougie japonaise, Heikinashi, enfin, vous avez tout ce qu'il faut, hein, tous les indicateurs y sont, ligne de tendance, des canaux, le Fibonacci, tout se trouve là-dedans. Juste, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien Fibonacci ou les lignes de tendance. Avec cette plateforme, vous pouvez aussi trader sur ces niveaux ou sur ces lignes. Ça veut dire qu'elles ne seront pas juste là de façon visuelle, hein, mais aussi, si vous voulez, vous pouvez acheter ou vendre sur n'importe quelle de ces lignes ou de ces niveaux. Très facile à faire. Je vous dis aussi tout de suite que tous ces icônes que vous trouvez autour du chart, ben évidemment, il ne faut pas, hein,
tous les mémoriser. Vous allez en utiliser quelques-uns et puis pas les autres. Et quand vous allez passer sur un icône avec la souris, ben, il y a une bulle d'infos qui s'ouvre et comme ça, très facile à voir ce qu'il y a derrière cette icône. Maintenant, ici, bon, je vais pas les parcourir tous, mais le premier, le petit, enfin, la petite disquette que vous voyez là, en fait, ça, c'est juste pour enregistrer, sauvegarder votre travail. Si vous créez un graphique, par exemple, avec des indicateurs et des stops et des objectifs, et vous voulez pas à chaque fois le refaire, ben, c'est là qu'il va falloir l'enregistrer, le sauvegarder. Enfin, je dirais, tous les graphiques que vous avez enregistrés se trouvent dans le folder, ce qui est le deuxième. Et voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Le troisième aussi est assez important. C'est en fait là que vous allez cliquer pour ajouter un indicateur ou un stop ou un objectif. Tous les indicateurs y sont. C'est une gamme énorme avec des possibilités, enfin, je dirais, c'est sans limite. Vous avez aussi des indicateurs qui sont préprogrammés dans la plateforme, mais bien évidemment, c'est une architecture ouverte et vous pouvez programmer, si vous savez, enfin, si vous êtes un peu programmeur ou vous aimez bien ça, vous pouvez programmer tous vos indicateurs vous-même. Là, pas de souci. Maintenant, passons tout de suite à la pratique. Travailler avec la plateforme. Et là, dans le PDF que je vous ai préparé, j'ai mis plein de liens, d'images pour vous montrer où vous pouvez aller sur le site pour trouver, je dirais, la première information sur la plateforme, de façon à ne pas avoir les 500 pages de texte sur la plateforme en une fois, mais d'y aller progressivement, de découvrir progressivement et de voir ce qui vous intéresse et de, à partir du moment, focaliser et uniquement apprendre et utiliser la partie qu'il vous faut et de ne pas se perdre dans les 500 pages. Ici, par exemple, c'est le manuel de démarrage rapide. Il y a un autre manuel, je dirais d'une trentaine de pages, que je considère aussi un manuel de démarrage que j'ai mis dans le PDF. D'accord? Commencez avec ça. Vous irez déjà très loin. Ce qu'il y a aussi, ce sont des films. Il y a 80 films sur la plateforme. Bien évidemment, chaque film fait 10 minutes. Faut pas les voir tous, mais s'il y a un sujet qui vous intéresse, les graphiques ou le trading en mode semi-automatique ou autre chose, vous allez tout de suite là et vous allez trouver des films bien structurés comme ça, enfin focalisés là-dessus. Ceci est vraiment un outil que je voudrais vraiment vous convaincre à l'utiliser au début, ça aide énormément. Maintenant, on va commencer. Ici, avec les graphiques, j'ai aussi mis les films, mais maintenant, évidemment, on va passer tout de suite à la plateforme et je vais vous montrer ça. C'est quand même plus parlant. Voici la plateforme. Page vide. D'accord? Et en fait, ici, vous voyez cet onglet. Vous voyez? Quand je passe dessus avec la souris, bon, si je double-clique, ça reste ouvert. Si je clique là sur l'épingle, ça se referme. Ça, c'est le même principe pour les cinq parties que je vous ai montrées tout à l'heure. Maintenant, on va commencer avec le début. On va ouvrir un graphique. Et ici, il y a toute une liste qui se présente à moi. En bref, simulation, ça c'est quelque chose qu'on utilise pour montrer des gens, c'est un contrat, je dirais, artificiel. Playback, vous pouvez enregistrer des choses pour
enfin, refaire après, trader dessus après pour voir si votre méthode fonctionne. Ça, je vais passer le troisième. Et puis, vous avez PATS. Moi, j'ai enfin, un contrat sur futur et CFD Forex que je trade en même temps sur la plateforme. Et là, j'ai tous les marchés, hein. J'ai l'Eurex, j'ai l'Euronext, j'ai le Chicago Mercantile, j'ai le marché à Amsterdam. Bon, j'ai tous les marchés. Et bien évidemment, j'ai ici CFD Forex. Grosso modo, 130 paires Forex, CFD, gamme énorme. Je pense qu'on est à plus de 8000 en ce moment. Actions, matières premières, bref, tout y est. Supposons maintenant que je dis, OK, on va aller regarder le marché de futur américain et prenons le mini Nasdaq qui se trouve là. Je clique sur le plus, le contrat de juin, encore sur le plus. Et là, j'ai 20, tous mes, comment, mes graphiques hein, qu'on appelle études, en fait, que j'ai enregistrés. Maintenant, je prends par exemple 2 minutes ici. Voilà. OK. Il s'est ouvert ailleurs, c'est normal parce que j'ai pas mal de d'outils. Et voilà. Je l'agrandis pour vous. Il est là. Et voilà, j'ai maintenant ici le Nasdaq 2 minutes. Hein, j'ai mis quelques indicateurs, je vais les enlever. C'est plus facile. Je vais supprimer tout ça. Comme ça, il reste que. Maintenant, si je veux mettre une ligne, si je veux mettre des barres, bougies ou Ekinashi, je peux faire comme je veux. Très simple à faire, tracer des lignes de tendance, comme ça, voilà, appliquer, OK. Maintenant, je vais en faire un autre. Attendez, ici, ligne horizontale. Si par exemple je dis, je trace cette ligne horizontale là, et je dis sur cette ligne-là, je veux vendre. Mais regardez, je peux, vous voyez ici, dessin seul. Je peux dire par exemple, je fais un stop short. Quand le marché touche cette ligne, je veux vendre à découvert. Tout ça est parfaitement possible et pas difficile à faire. D'accord? Bon, si je veux enlever ces lignes, je clique là. Vous voyez? La bulle d'info, supprimer tous les outils de dessin. Voilà, et c'est fait. D'accord? Maintenant, si maintenant je crée un graphique de 2 minutes, prenons, et je veux rajouter un indicateur. Ajouter indicateur. Je clique là et je mets par exemple les bandes de Bollinger. D'accord? Affiché dans le graphique principal et je le mets dans le graphique. Je ferme et je l'ai. Maintenant, toutes les couleurs que vous voyez là, vous pouvez tout changer. Toutes les couleurs, vous les mettez comme vous voulez. Mais ça, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ça, vous pouvez le faire. Mais là, vous avez un indicateur. Maintenant, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est quand, par exemple, vous avez rajouté 2 ou 3 indicateurs et des stops et des objectifs, vous voulez enregistrer, je dirais, presque graphique, mais dans le langage nano, on appelle ça une étude. On ne parle jamais de graphique. Pourquoi? Parce que un graphique, c'est trop simple, c'est trop basique. Pour nous, une étude, c'est quelque part presque un système de trading avec des indicateurs, des stops, des objectifs. Bref, il y a beaucoup plus que juste un graphique. C'est pour ça que nous, on parle toujours d'une étude. Et je peux enregistrer l'étude sous, ce qui veut dire, si je veux uniquement enregistrer l'étude pour le Nasdaq, qui est l'instrument qui est ouvert là, là, je clique ici. Par contre, si je veux sauvegarder cette étude pour tous les instruments, là, je vais enregistrer sous ce tube. Je clique ici et j'appelle ça, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Voilà. J'enregistre. Maintenant, regardez bien. Si maintenant,
je veux ouvrir un autre graphique. Par exemple, j'ouvre un contrat Forex et je dis par exemple le prenons un contrat aux États-Unis, US dollar, voyez, tout ça, US dollar et contre le yen par exemple, ici. Vous voyez? Je prends aussi 2 minutes. Ah non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je veux vous montrer maintenant l'étude que j'ai sauvegardée. C'était le 1, 2, 3, 4, 5. On va un peu plus loin. Et il est là. Vous voyez? C'est-à-dire que j'avais fait cette étude 2 minutes avec les bandes Bollinger. Je voulais enregistrer ça. Et voilà, il est là. Si maintenant je clique, voilà, ça s'ouvre et ce sera exactement la même chose. Les Ekinashi, 2 minutes sur US dollar, Japanese yen. Aussi simple que ça. Ça, c'est le principe pour enregistrer votre travail. Maintenant, juste la manipulation. Ça, je veux encore vous montrer la manipulation de graphique. Je vais agrandir ceci. Regardez. Maintenant, si vous voulez agrandir, je vais le mettre comme ça. Je vais enlever les bandes de Bollinger. Regardez. Si vous voulez enlever quelque chose dans la plateforme, c'est très simple. Ce que vous faites, vous allez sur les bandes de Bollinger, clic droit, un menu toujours qui s'affiche et vous n'avez qu'à lire, vous dites supprimer bande de Bollinger, clic et voilà, c'est parti. Chaque fois que vous dites ah ça je veux l'enlever, passez dessus avec la souris, clic droit, regardez le menu et vous le supprimez. Aussi simple que ça. Bon, maintenant. Maintenant, il y a ceci. Maintenant, manipuler. Regardez bien. Si je veux, par exemple, regarder juste la moitié de ce graphique. Je dis, et regardez, je fais ça. J'espère que vous pouvez le voir. Je prends cette zone-là avec la souris. Je lâche. Et voilà, maintenant, je n'ai que cette partie. Si je veux, par exemple, voir juste cette zone-là. Encore. Voilà. Je lâche. Voilà, je n'ai que cette partie-là. Si maintenant je veux retourner en arrière vers l'image précédente, clic droit dans le graphique, encore clic droit, et comme ça, je reviens en arrière. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre le curseur en bas du graphique et de l'ouvrir, de le fermer, ouvrir, de le fermer. C'est comme vous voulez, je peux aller très loin, vous voyez, ou je peux l'ouvrir comme ça. Très facile manipulation. Si vous pouvez faire la même chose en vertical, là, vous voyez les petits triangles ici sur le côté, hein, je peux par exemple le mettre comme ça. Je vais mettre de travers. Oh, il veut pas. Attendez, je vais le faire comme ça. Voilà, il est mis comme ça, il est de travers. Maintenant, si je dis, oula, le graphique n'est pas bien mis, regardez où je vais. Ici, en haut, là. Autoscale, par exemple. Je clique là-dessus et tout se remet en place. Ce sont des petites manips, mais franchement, enfin, c'est très facile, pas complexe. Le graphique se mettra exactement comme vous voulez. D'accord? Juste ça pour manipulation et le principe d'une étude. Ça veut dire qu'une étude, c'est quoi? C'est un graphique sur un instrument, dans une unité de temps ou autre chose. D'accord? Et des stops, des objectifs, des indicateurs, et ça, vous le sauvegardez. Ça, l'ensemble de ça, qui peut être un système de trading, s'appelle une étude. D'accord? Maintenant, quand même, une chose que j'aime bien personnellement dans la plateforme et que j'utilise beaucoup, regardez ici, vous avez l'unité de temps. D'accord? J'espère que tout le monde peut le voir, à gauche, en haut. Jour, semaine, mois, minute, seconde, tick, volume, envergure absolue, même le pourcentage d'envergure absolue, rien qu'au. Ça, c'est une grande valeur. Ça veut dire que cette plateforme, vous pouvez trader sur des unités de temps, comme beaucoup de traders font, mais vous pouvez aussi trader le volume, hein, avec les ticks,
où vous pouvez trader l'envergure, ça veut dire la volatilité, c'est-à-dire des bougies qui vont se former quand le marché bouge une certaine distance. Par exemple, ici j'ai 2 minutes, mais je pourrais mettre aussi deux envergures absolues. Maintenant, regardez bien. Chaque bougie fait, de haut en bas, fait 2 points sur le Nasdaq, qui est grosso modo, enfin, ce qui est 8 ticks. Et la taille de chaque bougie est la même. Regardez bien. Je vais peut-être faire un zoom. Vous voyez? Bah, parfois, il peut y avoir un tick de travers, mais grosso modo, c'est ça. Ça veut dire que une bougie est formée à partir du moment où il y a eu une distance de 2 points. Et uniquement à ce moment-là, il y a la prochaine bougie qui va se former. En anglais, on appelle ça range boss. Vraiment, étudier ceci, c'est une merveille, puisque tout le bruit, quand le marché ne bouge pas, il y aura très peu de bougies, puisqu'il n'y a pas la volatilité. Par contre, si le marché bouge, avec ces bougies-là, vont vous montrer le mouvement beaucoup plus vite. Avec le temps, vous êtes souvent trop tard. Vraiment quelque chose à regarder. Vous avez la même chose, Renko, qui est pas tout à fait la même chose. Ce sont des petits blocs comme ça, où là, vous avez un nombre de points de plus ou de moins. Ceci est très facile à voir des grands mouvements, et il y a aussi moyen de faire de superbes trucs au niveau de scalping ou trading avec ce genre de bougies. Système japonais de plus en plus populaire. D'accord? Ceci un peu sur, je dirais, graphique étude. Maintenant, passons sur, à mon avis, probablement l'instrument ou l'élément le plus puissant de la plateforme. Et ça, c'est le speed trader ou le carnet d'ordre. Un carnet d'ordre, bon, c'est quoi? Vous voyez le marché, hein? Regardez bien ce qu'il y a ici sur l'écran. Vous voyez la bande rose où vous voyez un certain nombre de chiffres qui sont des contrats qui sont offerts à la vente. Vous avez sur la bande verte des contrats ici en bas où c'est des gens qui veulent acheter ces contrats. Enfin, ça c'est la théorie. Et évidemment, là où les deux marchés se touchent, il y a évidemment un échange de contrats qui se fait. Ça c'est le principe. Maintenant, vous avez plusieurs éléments ici à gauche, hein, quel compte, ça aussi important à dire. Chaque utilisateur de Nano a minimum 2 comptes. Compte vrai et compte démo. Vous l'avez automatiquement, à perpétuité. Pas besoin de le demander. Il est automatiquement avec la plateforme. Ce qui vous permet d'essayer de tester des nouvelles choses. Ce qui est important. Et surtout aussi de prendre la main sur la plateforme, pas avec votre compte réel. Hein? Donnez-vous suffisamment de temps pour ça. Maintenant, ce qui est important, c'est quand vous allez commencer à travailler avec la plateforme et parfois vous allez faire quelque chose, la plateforme va refuser de le faire et il va vous dire, oui, mais avec quel compte voulez-vous travailler? Et ça, c'est important parce que il faut quand même la prochaine, enfin pas la prochaine, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un entraînement ou est-ce que c'est un match? Et là, enfin, c'est une décision que évidemment on prend avant de démarrer. Maintenant, ici, par exemple, il est mis paper. Le dernier prix, hein, taille de position, c'est un chiffre positif si vous avez acheté, c'est un chiffre négatif si vous avez shorté, d'accord? Le P&L, évidemment, hein, combien on gagne, combien on perd, toujours automatiquement dans la monnaie dans laquelle, enfin, on trade. Si c'est aux États-Unis, ce sont des dollars, en Europe,
des euros, bien évidemment. Le prix moyen qu'on a payé, parce que parfois on achète plusieurs lots et on n'est pas toujours exécuté exactement au même prix. Ça veut dire que la plateforme vous donne le prix. Et le volume d'ordre, ça veut dire à chaque fois qu'on vous achetez ou vous vendez, par combien de lots vous êtes exécuté. Maintenant, ici, il est mis 1, mais vous pouvez mettre 3 ou 10, comme vous voulez, mais ça veut dire chaque fois que vous passez un ordre, c'est avec cette quantité-là que normalement la plateforme veut exécuter. D'accord? Maintenant, flat, important, surtout au début, ça c'est le parachute. Par exemple, quand le marché va trop vite ou enfin, on ne sait plus où on est, où on veut couper tout, là on peut cliquer sur, enfin là, et toutes les positions, tous les ordres sur cet instrument-là seront clôturés immédiatement au marché. Évidemment, le carnet d'ordre est chaque fois lié à un graphique. Vous n'avez pas un carnet d'ordre pour plusieurs graphiques, c'est pas possible. C'est-à-dire que ici, si ce carnet est lié au CAC, il est lié au CAC et pas au DAX. Si vous ouvrez aussi le graphique DAX, il y aura un autre carnet d'ordre. D'accord? OK. Maintenant, et ça, c'est ce que je fais, enfin, tous les jours. Pour faire simple, il y a trois types d'ordres. Ordre marché, ordre stop, ordre limite. Ordre marché, vous voulez rentrer tout de suite au prix du marché. Ordre stop, quand un certain niveau est atteint, vous voulez sortir ou qu'un ordre soit envoyé, ordre marché, soit envoyé au marché. Ordre limite, vous voulez uniquement vendre ou acheter à un certain niveau. Ça, c'est le principe. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en simplement en cliquant sur ces bandes du carnet d'ordre, vous pouvez exécuter des ordres. Et ça, enfin, c'est un peu comme conduire une voiture, il faut évidemment, hein, s'entraîner un peu, il faut un peu avoir l'habitude, mais ça devient un réflexe. Et là, ça devient très puissant. Parce que ça, j'ai vu aucune autre plateforme faire ça. Et ça, quand vous êtes trader et vous tradez visuellement, vous regardez les graphiques et vous voulez rentrer et sortir, ceci est un outil redoutable. Parce qu'avec beaucoup d'autres outils, il faut cliquer, mettre le chiffre bien, confirmer, encore confirmer. Enfin, ça devient assez complexe. Ici, moyen de le faire beaucoup plus rapidement. Je vais vous montrer ça en live. Je vous ai mis ça dans le PDF tout détaillé, mais je vais vous montrer ça sur la plateforme. Ce sera beaucoup plus simple. Et ceci, je vais le faire sur une simulation, puisque comme ça, le marché bouge plus vite et je peux vous montrer les choses plus facilement. Je vais mettre comme ça. Je mets par exemple celui-là. Voilà. Et j'ai ici le graphique 5 minutes. Je vais le mettre sur envergure absolue. Comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez, ça va très vite. Maintenant, regardez ici à droite, SpeedTrader. Je double-clique là-dessus et j'ai le marché. D'accord? OK. Maintenant, je vais cliquer exprès dans le carnet. Vous allez voir ce qui va apparaître. Il n'y a pas de compte lié à ce SpeedTrader. Veuillez choisir un compte dans le SpeedTrader. Voilà, c'est comme je vous disais. La plateforme demande, c'est un entraînement ou c'est un match. D'accord? Bon, je dis, puisque c'est une simulation, ce sera paper. OK. Voilà. Et maintenant, regardez bien. Si je clique ici, dans le vide vert, ou dans le vide rouge, je clique gauche avec la souris, je déclenche un ordre marché d'achat ou de vente. Regardez bien. Et tout de suite, j'ai acheté. Je vais juste réactiver ça. D'accord? Vous voyez, j'ai acheté. Je vais encore cliquer. Et de nouveau, j'ai
un ordre qui se présente à moi. Attendez, je vais sortir. Je vais encore le faire. Comme ça, c'est plus clair. Voilà. Je clique là. Et le chiffre volume l'ordre est à 4. Et tout de suite, puisque j'ai cliqué là, la plateforme me dit, tu veux bien rentrer au marché. Si je dis OK, bon, j'ai acheté. OK, pas de souci. Si je veux vendre, je clique ici, je vends et j'ai vendu, c'est à zéro. Ceci, c'est déjà assez rapide parce que, enfin, j'ai des ordres, je dirais, ça peut aller très vite si je clique et je confirme, ça va rapidement. Je clique là, je confirme, ça va vite. D'accord? Je peux faire aussi la même chose ici. Quand je clique dans les chiffres, c'est un ordre limite, je clique ici, regardez bien, je suis là, en haut, dans la bande rouge, regardez bien. La plateforme me dit, bon, tu as cliqué là, ce que je fais, je mets là au niveau où je veux rentrer, et je dis, regardez bien, il est marqué type d'ordre limite, et je confirme. Et maintenant, si le marché monte, je vais l'agrandir un peu, comme ça. S'il monte près de mon niveau, je suis short. D'accord? Aussi simple que ça. Si je veux sortir, flat, vous voulez vraiment clôturer? Oui. C'est-à-dire, vraiment, même, je monte la même chose, limite ici. Je suis dans la bande verte, dans les chiffres, je vais très bas. Je suis là. Je dis, bon, si le marché chute, d'abord, je prends la ligne avec le curseur, je la mets là où je veux, je confirme, et si maintenant le marché touche mon niveau, j'ai acheté. D'accord? Ça, c'est ordre marché, ordre limite. C'est pas mal. Je peux faire la même chose, ordre stop. Si par exemple maintenant je clique ici dans le vide, mais avec un clic droit. Ça, c'est un ordre stop. C'est clairement expliqué sur les sites. Et ça, c'est juste une habitude. Vraiment, ça devient un réflexe. Regardez, je mets le niveau là. Ouais. Et je dis, parce que je suis sur stop, acheter. Et voilà, on est dedans. Il a acheté quand il a touché ce niveau-là. Bon, je sors. Voilà. Maintenant, ça, c'est déjà pratique. Ça veut dire, cliquez dans le carnet d'ordre pour rentrer et sortir. Je vous dis tout de suite, si vous voulez le faire en CFD ou en Forex, où il n'y a pas de chiffres dans le carnet d'ordre, ce n'est pas grave parce que l'utilisation est exactement la même. Moi, je ne regarde jamais les chiffres. Je trade comme ça. Je le mets comme ça. Regardez. Je le mets là. Et puis, j'ouvre ce qu'on appelle le chart trader, où ce que vous voyez ici sur le graphique est exactement la même chose que le carnet d'ordre, mais il n'y a pas les chiffres. De toute façon, les chiffres qui sont souvent dans le carnet d'ordre ne sont pas justes, hein. On essaye de vous faire croire des choses qui n'existent pas. C'est pour ça que, personnellement, je préfère de travailler comme ça. Maintenant, ce que vous pouvez évidemment faire aussi, c'est aller là, en haut, dialogue, ordre d'achat, cliquez là et vous aurez exactement la même chose. Mais à ce moment-là, vous devez commencer à décider, etc. Et là, je dirais, c'est plutôt l'approche de la majorité des plateformes. Ici, je pense que c'est mieux. Et maintenant, passons, je dirais, à ce qui rend réellement la plateforme spéciale. Parce que, bon, rentrer en cliquant dans le marché, c'est pas mal, mais ce qui m'intéresse moi, surtout, enfin, et beaucoup de traders, c'est que quand on est en train de trader, bon, il y a quand même le stress, on veut gérer beaucoup de choses en même temps, il y a beaucoup de choses à regarder, c'est que j'aimerais donner un maximum de choses à la plateforme de façon à je me trompe pas. Ça met moins de pression sur moi. Comment je fais? Bon, il y a trois manières de trader avec la plateforme. Manuel, comme je viens de vous montrer, ce qui est rare,
les utilisateurs nano utilisent rarement cette manière. Puis il y a la manière full automatique, ça veut dire que là le trader n'intervient plus, il a paramétré son système de trading ou il a repris quelque part et il le laisse tourner automatiquement. C'est-à-dire que le trader ne doit physiquement plus être devant l'écran. Et puis, il y a l'autre, je dirais entre les deux, la manière semi-automatique. Et là, c'est très simple. C'est en fait le trader qui déclenche l'ordre, mais il a avant paramétré les stops et les objectifs. Et c'est en fait après la plateforme qui va le gérer pour lui ou va l'aider à le gérer. Et ça, au quotidien, dans la pratique, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Je vais vous montrer ça. Regardez. Je trade avec 4 lots. D'accord? Bon. Je dis, par exemple, je vais mettre des points. Et je veux plusieurs limites et je vais utiliser un stop. D'accord? Vous voyez ici? Là. Je peux paramétrer mes stops et mes objectifs de 4 manières. Des ticks, des points, le pourcentage, si vous tradez sur des UT un peu plus longs, ou le ATR, le Average True Range, qui veut en fait dire la volatilité de l'instrument. C'est de loin celui que je préfère. Pourquoi? Parce qu'il s'adapte à la volatilité. Hein, je peux l'utiliser aussi si vous voulez. Je mets l'ATR calculé sur... Attendez, hein. Les dernières 8 bougies, comme ça, et je mettrai un stop et multiple. Voilà. Maintenant, regardez. Maintenant, je vais ajouter un stop et plusieurs objectifs. Regardez comment je fais. Je clique là. Ici, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Je vais dans stop. Et là, j'ai un choix énorme. Pour ce soir, puisque enfin, c'est quand même le début, on va rester très simple. Un clic stop, stop, et puis je mettrai 4 targets. 1, 2, 3 et 4. Je ferme. Et maintenant, il me donne des valeurs de 30 fois la volatilité, ce qui évidemment est complètement ridicule, parce que normalement, ce sont toujours des valeurs de 2 fois, 3 fois, 5 fois la volatilité et pas plus. Maintenant, je mettrai mon stop à 3 par exemple. Et puis je mets un target à 2. Je mets un autre target à 4. Je mets un autre target à 6. Et je mets encore un target à 8. D'accord? OK. Maintenant, question que j'ai souvent, c'est évidemment, bon, mais oui, bon, je trade avec 4 lots ou 5 lots, mais si je me trompe dans les stops ou dans les objectifs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la plateforme qui va corriger pour vous. Si vous tradez en mode semi-automatique ou automatique, il est impossible de laisser un lot traîner. Pas possible. C'est-à-dire que si vous n'en mettez pas assez pour protéger, il va vous en rajouter un. Si vous en mettez trop peu, enfin, pardon, si vous en mettez trop, il va vous en retirer un. Si vous n'en mettez pas assez, il va vous en rajouter. Pas moyen. Alors, maintenant, voilà. Regardez, j'ai mis ici le stop et les objectifs. Et maintenant, je vais trader. Je dis à la plateforme, je veux trader en mode semi-automatique. Voilà. Maintenant, regardez bien. Si maintenant je clique ici, comme tout à l'heure, regardez bien, j'ai mes 4 objectifs, un objectif atteint et un stop. Vous voyez? Ils sont tous là. Deuxième atteint. Regardez, je peux même prendre l'objectif et l'éloigner. Je le prends avec le triangle et je l'éloigne. Je prends mon stop, par exemple, et je le mets au point d'entrée, qui est là. Vous voyez? Ceci, ce que je vous montre là,
est une énorme puissance, surtout pour des scalpeurs, des gens qui aiment bien trader visuellement comme moi. Moi, je rentre, je sors avec un simple clic et maintenant, la seule chose que j'ai à faire, c'est à gérer ma position. D'accord? Voilà. Et si je veux sortir, je clique flat et je sors. Je vous le remontre. Attends, je vais juste enlever mes triangles ici. Voilà. Regardez. De nouveau short. Je confirme et je suis short. Vous voyez? Le stop et quatre objectifs. Je prends mon stop. Je le mets là où je veux. Ça veut dire que je peux me limiter maintenant à déplacer mes stops et mes objectifs où je veux. Ça aide énormément parce que si le marché bouge rapidement et vous devez réfléchir, oui, je dois rentrer mon ordre là, je dois l'adapter. Non, ici, c'est très visuel, c'est très facile. D'accord? OK. Je sors. Voilà. Flat. Et je suis out. D'accord? Ceci est vraiment, comme je fais. En fait, moi, je trade avec ceci et quand je vois quelque chose qui me plaît, je frappe et je suis dedans. Je trade avec plusieurs objectifs et plusieurs sorties. Voilà, je vais me faire stopper probablement. Regardez. Et là, je suis stoppé. Bah, that's it. Mais regardez aussi, si je rentre, maintenant, si j'achète, par exemple, regardez ici en haut. Évidemment, ceci, c'est un contrat artificiel, mais vous voyez que j'ai un risque de 1500 et un target de 2537. Là, je vois toujours combien je risque et quel est mon gain potentiel. Moi, enfin, si j'ai pas 1,5 à 2, ça m'intéresse pas. Ça, je dois le voir sur le graphique. D'accord? Là, le point bleu, c'est le point d'entrée. Je peux le faire suivre, hein. Et si je trouve que je veux le laisser courir plus loin, je mets là. Voilà, vous comprenez? Vous pouvez évidemment y mettre des stops suiveurs, des stops paraboliques. Enfin, vous avez toutes ces possibilités-là dans la plateforme. Mais ceci, ce trading semi-automatique, est vraiment, enfin, unique. Maintenant, à partir du moment où vous avez un peu maîtrisé ça, vous pouvez enlever. Chaque fois que je clique, j'ai chaque fois cet ordre, ce ticket d'ordre qui se présente à moi. Évidemment, si on a l'habitude de trader, pas besoin d'avoir ça. On veut juste cliquer et rentrer dedans. Maintenant, ceci s'active à chaque fois qu'on démarre la plateforme, mais on peut le désactiver. Regardez, je clique ici sur la petite main, confirmer ordre. Voilà. J'espère qu'il est ailleurs, je sais pas où il est. Il veut pas. Non. Normalement, si je le fais, je peux l'annuler, mais c'est parce que je suis en mode simulateur qui le fait pas. Mais normalement, on peut éliminer ici exactement. Je me demande où il est. Attendez, voilà. Ok, il court. Alors. Ok, alors juste une question sur alerte. Et là, je fais flat par exemple, je sors. Regardez, très facile à faire. Supposons que vous dites, bon, je vois le marché, et si le marché chute en dessous du niveau de 5805, je veux être alerté. Je prends la ligne horizontale, je la mets là. Et maintenant, je dis, je veux message au prochain croisement baissier. Là. Vous voyez? Vous sélectionnez le son que vous voulez. Vous en avez plein, hein? Vous dites par exemple, je veux ça. Vous dites OK. Et vous dites OK, appliquer. OK. Maintenant, regardez. Vous voyez, l'alerte est mise. Vous voyez la petite flèche. Maintenant, faisons l'alerte. Regardez. Regardez. Et voilà, ici, vous avez
le croisement en dessous. Ceci est vraiment, ça a l'air de rien, mais ce sont ces petites choses qui rendent la vie facile. Vous avez vu quelque chose sur l'euro-dollar, vous avez vu quelque chose sur le CAC, vous dites, ah, mais quand il passe à ce niveau-là, je vais t'alerter. Vous mettez juste la ligne, vous cochez et c'est fait. Le pire dans le trading, enfin, c'est d'être devant, de regarder un chart et rien se passe. C'est pour ça, c'est mieux de chercher ailleurs, plus loin, etc. Mettez l'alerte et allez plus loin. Vous avez aussi, avec la plateforme, la possibilité de scanner les marchés ou de trouver des opportunités ou de même faire venir des opportunités à vous. Je pense que là, pour beaucoup de gens, ça peut leur aider parce que si on est là devant le CAC ou l'Eurodoll, à le regarder du matin au soir, bah, il y a des jours où c'est super, mais aussi des jours où c'est pénible. Et là, souvent, on perd de l'argent, hein? Voilà, si je veux l'enlever, je fais ça et je l'enlève. OK? Alors, OK. Voilà. Maintenant, juste regardez ce qu'il y a encore. Là, je vous ai mis tout ça. Évidemment, je ne peux pas vous faire le tour complet. Je vous ai bien, enfin, je pense que j'ai mis des choses assez intéressantes pour vous là, avec des liens qui vraiment peuvent vous ouvrir. Ces stops et ces objectifs dynamiques et multiples, c'est ce que, enfin, à partir du moment où vous travaillez avec ça, vous êtes accroché à ça, sera difficilement d'utiliser autre chose. C'est tellement valorisant, tellement facile à travailler avec ça. Et voilà. Maintenant, juste vous montrer sur la plateforme ici. Hein, ici, j'ai des bougies Ekinashi. Je peux aussi les mettre en bougie simple. Hein, j'ai mis 5. Je peux les mettre aussi en Renko, comme ceci. Vous voyez, les blocs. Et trader comme ça. Je peux mettre des indicateurs là-dessus. Les indicateurs automatiquement seront calculés là-dessus. Si maintenant je trade ici, par exemple, en 5 minutes, par exemple, hein, 5 minutes. Attendez, je vais le mettre. Voilà, c'est pas un beau graphique. Je vais utiliser autre chose. Je vais ouvrir ici autre chose. Prenons, par exemple, le DAX. DAX. Voilà. DAX 15 minutes. Voilà. Je le prends. Je l'ai ici. Vous voyez? 15 minutes. Voilà. Maintenant, supposons que je regarde le 15 minutes, mais j'aimerais aussi voir le 60 minutes. Je clique là. Et j'ai 60 minutes. Si maintenant, en dessous, je veux mettre un autre, et là, je peux le changer et dire, attendez, juste, voilà, et là, je mets un jour, par exemple. Ça veut dire que maintenant, j'ai 15 minutes, 60 minutes, jour. Je peux même trader. Paper et je peux passer des ordres également là-dessus sans aucun problème. D'accord? Ici, le dollar yen peut faire la même chose. Je peux cliquer là et dire par exemple, j'ai le 2 minutes là, et ben je veux le 10 minutes ici. Vous voyez? Voilà. 10 minutes. Vous voyez aussi très intéressant pour ceux qui aiment bien voir les ordres. Là, vous avez tout le détail, toutes les transactions qui se font seconde par seconde. Il y a des gens qui adorent regarder ça. Moi, ça me fatigue. Mais bon, tout est là dedans. Si maintenant vous passez un ordre, par exemple, je choisis un compte, Paper, voilà, je mets, voilà, si je mets un ordre, oui, il est là. Je peux le mettre ici, dans mes 10 minutes. Si je veux pas, eh ben, je fais flat. Et je clique là-dedans. Je vais l'enlever ici. Voilà. Et je le mets là. Je peux passer un ordre là-dedans aussi.
que vous verrez ici aussi alors. C'est-à-dire que vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités. Le défi, vraiment, c'est de savoir et de décider ce que vous voulez utiliser. Quoi que vous faites avec cette plateforme, vous utiliserez 1%, 2% maximum de cette plateforme. Parce que les possibilités sont vraiment illimitées. Dernier conseil que je vous donnerai pour ce soir, essayez quand même de garder votre système de trading, votre méthodologie le plus simple que possible. Mais cette plateforme fait du simple très bien. D'accord? Je pense que pour ce soir, j'ai fait le tour. À la fin, je vous ai mis des liens ici de façon à que vous allez vous y retrouver plus facilement. Encore, n'hésitez pas à nous contacter, notre desk ou moi-même. Et pour le reste, il me reste à vous remercier pour ce soir. Vous étiez nombreux de nouveau et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.